हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके. Version élevée d'Aviak Bab Dada, 18 janvier 1997. Le désir du père est que chaque enfant et que chacun de ses enfants révèle la personnalité du Père à travers sa propre image. Vos traits sont différents, mais la personnalité du Père devrait se voir à travers votre propre image. Quiconque vous voit et quiconque vient en relation avec vous devrait vous voir, mais vous oubliez et voir le Père en vous. Ce n'est qu'alors que viendra l'heure de l'accomplissement. Le son qui devrait naître dans le cœur de chacun est « Mon Père est venu ». Il est mon père. Il n'est pas seulement le père des Brahma Kumari, mais il est mon père. Quand ce son de mon père se fera entendre dans le cœur de chacun, ce son créera un écho dans toutes les directions comme des tambours. Quelles que soient les facilités de la science dont vous disposez, grâce à elle, les tambours continueront de retentir « Mon Père est venu, est venu ». Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous l'avez très bien fait. Et vous continuerez à le faire très bien. Cependant, vous devez tous faire retentir les tambours en même temps. Partout où on l'écoutera, un seul son se fera entendre. Celui qui devait venir est venu. C'est ce qu'on appelle la révélation claire du Père. À présent, seul votre nom a été glorifié. La première étape est que le nom a été révélé et que les Brahma Kumars et Brahma Kumari font du très bon travail. प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में ओम शांति Om Shanti. Afin de faire l'expérience du niveau de libération dans la vie,
Libérez-vous de tout lien. Images of support, images of upliftment. L'image du support, l'image d'élévation pour toutes les âmes. Une âme libre, libre des liens, considérera le corps n'est qu'un soutien pour la forme et n'en sera jamais dépendante. Seuls ceux qui sont des images de soutien, simplement pour le nom et la forme, peuvent devenir des images d'élévation pour toutes les âmes. Dans la mesure où vous êtes au-delà du fait d'être dépendant, vous serez dans cette même mesure une incarnation du succès dans le service. Afin de vous libérer des liens, souvenez-vous de deux mots, observateur détaché, sakshi, et compagnon, Sati. Cela vous permettra d'atteindre rapidement le niveau libre des liens. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Bhakti Paribas, aujourd'hui, le jour 4, afin d'expérimenter le niveau de libération dans la vie, devenir libre des liens. Aujourd'hui, le sujet, image du support, image d'élévation pour toutes les âmes. Maintenant, nous allons écouter Mohini Devi. Om Shanti. Tout le monde va bien. Tout le monde est heureux. Merci pour tous vos bons souhaits. Beaucoup, beaucoup de recettes et de différents médicaments. Merci, je suis en train de devenir plus en santé. Même quand je lis certains points, ça me fait penser. Qu'est-ce que Baba veut que je sois? Comme aujourd'hui, les points, soyez support, soyez une image d'élévation. Si je suis un soutien et si je soutiens en tant qu'instrument, on utilise le mot nom et forme pour le nom et la forme. Parfois, vous avez besoin de l'aide de la main. Tenez la main et ensuite lâchez-la. Même chose. Envers les hommes qui viennent vers vous, peu importe le support, mentalement, physiquement, peu importe ce que les hommes ont besoin. Mais ne les laissez pas devenir dépendantes de vous. Mais aussi pour vous-même. Rappelez-vous à vous-même que je dois élever l'âme. Je connecte et je sens que c'est très important parce que parfois on dépend. Et vous pouvez permettre à cette âme de devenir dépendante et vous aussi pouvez devenir dépendant. Donc, je dois aider avec support, soutien,
mais ne pas devenir dépendant. Une âme qui est libre des liens considérera le corps comme étant son support pour le nom et la forme et n'en sera jamais dépendante. Peu importe ce que le corps passe à travers, l'état du corps ne devrait pas affecter l'esprit. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas du corps. Ceux qui sont des images de soutien simplement pour la forme peuvent devenir des images d'élévation pour toutes les âmes. Le but ultime est de devenir une image d'élévation. Mais en étant en pèlerinage, en voyage, l'âme a besoin de support dont je dois fournir. Mais gardez dans votre esprit que je dois aider les âmes pour leur élévation. Dans la mesure où vous êtes au-delà du fait d'être dépendant, vous serez dans cette même mesure une incarnation de succès dans le service. Autrement, vous allez rester bloqué. Afin d'être libre des liens, souvenez-vous de deux mots, observateur détaché et compagnon. Parce qu'avec cela, cela vous permettra d'atteindre rapidement le niveau libre des liens. Si vous allez en profondeur et en détail regardez-vous, observez-vous vous-même. Ça peut être une habitude aussi de watcher, de regarder les autres. Il y a des gens qui se tiennent constamment la main. Pas de dépendance, pas d'élévation, c'est juste une habitude, c'est des liens. Feeding the body. Nourrir le corps. C'est très important, le corps dépend de la nourriture. Mais regardez où est la dépendance, s'il y a dépendance. Alors Baba dit, ne laissez pas même l'âme dépendre du corps. Ça me fait vraiment penser. J'essaie de voir le côté pratique. L'exemple de ma propre vie. Il y en a comme les dadis, comme Dadi Prakashmani était très en santé, mais Dadi Janki, son corps n'était pas très était malade souvent. Understanding. La compréhension profonde. Yann, comprenez profondément la dépendance.
Si on regarde sa vie, il y a sûrement quelque chose sur lequel on dépend. Il y a certaines choses Il y a des besoins qui doivent être comblés. On dépend de certains besoins qui doivent être comblés. Teddy Janky aimait toujours aller marcher le soir. Elle amenait toujours quelqu'un avec elle. Ou quelqu'un venait la chercher pour l'amener marcher. C'était très régulier. Mais il y avait une âme. Elle était tellement intéressée seulement d'aller marcher avec Daddy seulement. Et Daddy aimait aller marcher avec différentes personnes. Elle pouvait jaser, avoir une conversation. Et un jour, Daddy m'a dit, pourquoi est-ce qu'elle veut venir avec moi tout le temps? J'ai dit à Daddy, tu dois lui dire. Mais si l'âme prend du bénéfice, alors c'est OK. Si c'est la compagnie, ça va. Mais parfois, vous savez, d'être à côté de Daddy, il y a tellement d'énergie, on se sentait tellement élevé, je le sentais immédiatement, son énergie, son pouvoir. Et ça arrive aussi avec nous. Les gens sentent du pouvoir, la compagnie, de l'énergie. Oui, c'est correct. Permettez que ça se passe dans la famille, mais soyez attentifs, prudents. Soyez prudents de la dépendance. Que les besoins soient comblés, mais continuez d'avancer. Baba parlait beaucoup de révéler le Père à travers la personnalité. Brahma Baba, comme vous le savez, était toujours très, très aimant. Parce que qu'est-ce que les âmes recherchent? Les âmes recherchent l'amour de Dieu. Bien sûr, la connaissance, la paix, toutes les autres vertus sont importantes, mais c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a beaucoup de pouvoir. Ça donne le sentiment d'appartenance. Parce que si vous vous sentez près de Dieu, vous allez vous sentir proche de Brahma Baba. Tout le monde voulait se rapprocher de Dadi Prakash Mani. Elle était tellement aimante, tellement pleine, lumineuse, légère. Elles sont des exemples de donner du support avec le but d'élévation. Tout ce que vous faites ensemble, quel est le but? Donner du support pour l'élévation, c'est le slogan. Je pense que je vais m'en souvenir. Je pense que je vais m'en souvenir, c'est très important. C'est le travail que nous devons faire. Donner du support, du soutien, mais également élever. Om Shanti. Le partage des ancêtres.
बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मम्मा वर्तमान पाठ में रहती थी ना सरस्वती माना ज्ञान की वीणा बजाने वाली मम्मा का प्रैक्टिकल में पाठ था। So she is more of a Saraswati than Lakshmi because Saraswati was her present role. So she is to give knowledge and. So Baba ki saath. Saraswati donne la connaissance. Elle est plus comme que Saraswati. Elle a l'ivresse. Elle a l'ivresse de son rôle avec Baba plus que de ce qu'elle va devenir. She's asking, did Mama really use sitar? Yes, in the beginning when she used to sing the song. Est-ce que Mama était sitar? Oui. Oui, maman jouait de la sitar, elle chantait des chansons. She never had to make any efforts to remove her sanskars because she had very Elle n'a jamais fait beaucoup d'efforts pour enlever ses sanskars parce qu'elle avait. Plus elle écoutait la connaissance, plus ses sanskars s'emplissaient de pouvoir et devenaient tendres, doux. Et les sanskars qu'elle avait, avec la connaissance, les sanskars changent éventuellement. She says, Your original self is perfect. You are perfect being original. Tu es parfait, ton soi est parfait. Mais la conscience, d'être parfait va te permettre d'éliminer les sanskars difficiles. परंतु मैं ओरिजिनल स्टेज बताती हूँ हर इंसान की पहली स्टेज थी फूल फिर धीरे धीरे अवगुण आते 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 कांटे बन गए कांटे मना हमारे मन से भी किसी को दुख मिल जाता है हमारे वचन से भी किसी को दुख मिल जाता है कर्म से भी दुख मिल जाता है तो इसलिए हम पूछते रियलाइज करें कि मेरे में क्या है मैं कांटा तो नहीं हूं ऐसा तो नहीं मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख मिलता है तो रियलाइज कराने के लिए प्यार से पूछिए अंदर हमारा भाव अच्छा है कि बदले दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अंडरस्टूड द नॉलेज अ बिट एंड फॉर द स्टूडेंट्स qui ont compris la connaissance juste pour leur faire réaliser tu es une âme. Pour leur faire réaliser que tu es une âme, tu es une âme, fleur. Juste pour leur faire comprendre que tu étais pure et qu'est-ce que tu es devenu maintenant. Quel était mon niveau avant et qu'est-ce que je suis devenu maintenant. Nous avons un bon sentiment et des bons souhaits pour eux. Nous n'avons pas de mauvais sentiments que tu as fait ceci, tu as fait cela. On fait juste leur faire réaliser avec beaucoup d'amour. Tu as le niveau originel d'être une fleur. अपना परिचय कैसे देता है पहले मेन फाउंडेशन को पको
तो कैसे शिव बाबा अपना परिचय देवे, वो है निराकार। तो निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा हम आत्माओं को, साकार आत्माओं को कैसे ज्ञान दे, तो उसने अपना माध्यम बनाया है। तो माध्यम के द्वारा दृष्टि भी देता है, माध्यम के द्वारा वचन भी बोलता है, माध्यम के द्वारा ही हमको कर्म करके सिखलाते हैं। तो वो तो हमारे लिए सैंपल है ना, उसको तो जरूर देखना पड़ेगा ना। Catch hold of the foundation. How did they regarder la fondation? Comment Dieu l'incorporel a donné son introduction à travers le médium? C'est seulement à travers le médium que Shiv Baba donne son introduction à travers Brahma Baba. Shiv Baba donne le drishti à travers Brahma Baba. Shiv Baba parle en utilisant la bouche de Brahma Baba. Brahma Baba est donc un exemple pour nous parce que Shiv Baba fait tout à travers Brahma Baba. On ne peut jamais oublier Brahma Baba. Parce que tout ce que Baba, Shiv Baba fait, il le fait à travers le médium de Brahma Baba. खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा। Om Shanti. Maintenant, on va voir la Vyakta Murli revision de 1969, des multimillions de fois fortunés et bénédictions. Shanti. Om Shanti. La Vyakta Murli revision du 27 avril 1972. L'effort pour devenir chanceux et aimable, adorable. Vous considérez-vous à la fois comme les plus beaux et les plus chanceux? Si vous vous considérez comme adorable et chanceux, vous resterez constamment libre des obstacles et ferez l'expérience d'être absorbé dans l'amour de Baba. Si vous êtes simplement chanceux et pas aimable, alors même si vous êtes constamment absorbé par l'amour de Baba, vous n'aurez pas l'expérience du niveau d'être libre des obstacles. Si vous êtes simplement aimable et pas chanceux, vous ne pourrez pas non plus vivre le niveau qui vient d'être décrit. Les deux sont donc nécessaires. Afin d'atteindre l'objectif d'être chanceux et adorable, trois choses principales sont nécessaires. Si vous expérimentez ces trois choses en vous-même, alors vous êtes définitivement chanceux et aimable. Quelles sont ces trois choses à travers lesquelles vous pouvez facilement vivre ces deux états? La chance peut-elle être créée ou est-elle déjà créée? Pouvez-vous vous donner de la chance ou est-ce que seuls ceux qui ont de la chance, seuls ceux du début ont de la chance? Pouvez-vous créer votre chance
ou devez-vous avancer en fonction de la chance déjà créée? Pouvez-vous changer votre fortune ou non? Pouvez-vous passer de malchanceux à celui qui est chanceux? Y a-t-il une marge d'effort pour créer la chance? Quelqu'un a dit oui. Êtes-vous venu après avoir déjà éveillé votre fortune? Ou êtes-vous venu pour éveiller votre fortune? Vous avez apporté avec vous la fortune déjà réveillée, n'est-ce pas? Alors, qu'allez-vous créer? Vous êtes parvenu à appartenir à Baba selon la fortune que vous avez éveillée. La question de la fortune ne se pose qu'en appartenant au Père. Vous venez après avoir créé votre fortune et vous pouvez aussi la créer. Est-ce comme cela? Lorsque vous faites beaucoup d'efforts pour quelque chose, vous avez la pensée que cela se voit dans votre fortune. Si après avoir fait des efforts, vous n'obtenez pas de succès, alors vous pensez qu'il est ainsi dans votre fortune? Quelle est la raison pour laquelle je n'ai pas réussi? Si vous faites des efforts à votre manière et que vous n'obtenez pas de succès, que dites-vous alors? C'est ainsi fixé dans le drama. Vous avez donc apporté avec vous la chance que le drama a créée, n'est-ce pas? Celui qui fait des efforts ne devrait jamais penser, même après avoir fait des efforts, qu'il est possible d'échouer. Vous devez toujours penser que les efforts que vous avez déployés ne peuvent jamais être vains. Si vous avez fait des efforts de la bonne manière, vous obtiendrez certainement du succès. Si ce n'est pas maintenant, au moins plus tard. En voyant le manque de succès, il faudrait penser que c'était un test. Après avoir passé l'examen, le test, vous deviendrez plus fort. Donc, ce n'est pas un manque de succès, mais d'un moyen pour renforcer les bases de votre effort. Lorsqu'il faut rendre quelque chose solide, fort, il faut d'abord marteler les fondations. Vous les martelez et les rendez fortes. Le martelage est un moyen de les rendre solides. Même dans votre propre effort individuel, au milieu des gens, du service divin, lorsque quelque chose ne semble pas réussir extérieurement, vous devez quand même penser que ce n'est pas un manque de succès, mais un moyen de devenir fort. On vous a dit qu'il ne fallait pas considérer les tempêtes comme des tempêtes, mais plutôt comme un cadeau. Les vagues frappent le bateau, mais elles sont un moyen de le faire avancer. Les vagues vont sur le bateau, mais sont un moyen de le faire avancer. De cette façon, le succès est compris dans l'échec. Vous devriez avancer avec cette compréhension. Le mot échec
ne devrait même pas entrer dans votre intellect lorsque vos efforts sont justes. Acha. À suivre demain. Om Shanti.